السلام عليكم حبوباتي، ان شاء الله راكم كامل ملاح وعلى خير. اليوم ثاني فيديو ليا خارجه مع زوجي باش نطلعوا البابور نديروا جوله في البحر، باش يكون نهار بزاف شباب. في الميناء نروحو باش نرفدو التيكي ونطلعو في البابور. بزاف شابة البلاصة، واسمها هاد البلاصة واش قلت لي عليها؟ دياب. دياب اون فرانس. فهم يلعبوا دراري هنا مانيش بتيت مانيش يعني دراري صغار. دينا البيي جوج بي لي بيي تيكي باش نطلعوا في البابور. البي واحد خلصناه 14 اورو صافي ابيبخي 200 الف تاع الجزائر وشويه هكذاك. ايه 200 الف، 200 الف وميتين وربعين دينار. ومن بعد تيك نكمل نتواصل معكم كي نطلع كي يجي البابور، باسكو على الخمسة نركب، كي يطلع كي يجي البابور نوريكم. انا رايحين نطلعوا في البابور. ها اوبس تسمع إن شاء الله يعجبكم الفيديو. يا روحك دو تيكي. Et voilà pour vous, Gagnaba. Bonjour. Merci. Oui. Rahamullah, entre. Regarde. C'est mieux comme ça, on va tout dehors. Bienvenue à bord du navire le Vip de Dieppe dans la cité Angon.
Alors, dès que la station balnéaire la plus proche de Paris et nous avoisinons chez nous les 30 000 habitants. Alors maintenant, si vous regardez tout de suite à droite, à tribord, en terme marin, vous y voyez un pont. Il s'agit du pont Ambois, un pont levant qui donne accès au port de pêche. Et il faut savoir que Dieppe est le premier port de pêche à la coquille Saint-Jacques et que la Saint-Jacques se pêche du 1er octobre au 15 mai. Dans tout le monde, nous avons 5 ports. Nous avons le Tréport, Dieppe, Saint-Vaury-en-Caux, Fécamp et Le Havre, qui représentent 126 navires de pêche, dont 42 sont basés à Dieppe. Sur ces 42 navires, 34 sont armés à la coquille Saint-Jacques et nous enregistrons à Dieppe jusqu'à 323 mâts. En voyage, nous sommes dans le chenal de l'avant-port, accessible par tout temps et sans contrainte de marée, même à marée basse, avec un marnage important. Le marnage, eh bien, c'est la différence de hauteur d'eau qu'il y a entre la basse mer et la pleine mer. Donc aujourd'hui, hein, de 90 degrés de marée, qui nous fait à peu près, hein, 9 mètres de hauteur d'eau entre la basse mer et la pleine mer. Mais chez nous, en France, ce n'est pas la plus grande. La plus grande, c'est au Mont-Saint-Michel, avec un marnage de 13 mètres. Mais la plus grande au monde reste au Canada, dans la baie de Fundy, avec un marnage de 16 mètres. Alors Dieppe est un port qui est continuellement entretenu par des dragues. Nous avons la Christophorus qui pompe la base dans ce chenal pour la transférer au large de Dieppe. Ensuite, on a un petit remorqueur que là sur notre avant-gauche, au bleu et blanc, le Fessembrer. Et bien ce petit remorqueur nous fait également un fils de drague pour nous égayer au fond avec un gros râteau derrière. Et comme ça, le port correspond au patron pour pouvoir aller à n'importe quel moment de la journée. Contrairement au Tréport Saint-Vaury, qui sont des ports qui échouent. Alors sur votre droite, sur le quai, vous avez une tour de contrôle vitrée avec deux. Et ce pont donne accès au port de commerce, qui accueille en ce moment des cargos pour les éoliennes, des huiliers et des cargos pour la ferraille. Et il faut savoir que Dieppe fut l'époque le premier port bananier de France. Et ça, c'était dans les années 60. Nous avons également, derrière ce pont qui n'a quasiment rien historique, nous avons un port à sec qui peut accueillir jusqu'à 292 bateaux de 7 mètres avec un dispositif de mise à l'eau automatisé. Et lui, se trouve dans l'ancienne cale sèche. Alors ce pont a été dessiné à l'époque par l'architecte Paul Alexandre et vous voyez, il arrive à faire encore ses 1400 manœuvres par an. En haut de la falaise, sur la droite, une autre tour de contrôle vitrée avec un radar dessus qui ne tourne plus. Eh bien, il y a 3 ans de ça, vous trouvez là-haut le sémaphore civil. Eh bien, il a tout simplement été fermé pour être remplacé par des caméras. Alors maintenant, on grille les feux, le PV directement à la maison. Regardez, avant de se ferrer, hein, au niveau de la ligne de flottaison, vous y voyez une grosse bosse en mer au plus près, ainsi que leur déchargement. Et au Havre, c'est une visite commentée d'1h15. Voilà, c'est la bonne soirée à vous. Au plaisir de vous revoir très vite sur notre compagnie.